Bon, ben, j'ai fini là le deuxième épisode. Crash Time Case Closed. Voilà. Alors, j'ai encore une médaille d'argent. Course simple, 4 pistes débloquées, 5 véhicules débloqués. Comme d'habitude, on va aller voir quels sont ces véhicules. Donc on a débloqué la voiture police de Samy, la voiture police de Chris, la police de celle-là, la normale de elle, aucune saphir. Alors on a débloqué la V8, si vous vous souvenez bien, pas de grand sport, pas de voiture de course, pas de voiture de sport. On a débloqué, bon, le taxi on l'a déjà débloqué, et on a débloqué le 3.0, ici rien du tout. Les 4x4, on a débloqué le banalisé, ah ben non, on l'avait déjà le banalisé. Et c'est voilà, on a fait le tour. Attends, il y a eu un petit bug. Ah non, c'était juste que ça a pété, puis voilà. Bon ben... Avez-vous sauvegardé votre profil ? Non. Non ! Les affaires. Donc maintenant on est sur contrôle routier. On va se remettre encore en facile. Poursuivre, éviter les poids lourds si vous ne voulez pas avoir de problème. D'accord, donc c'est juste pour suivre un véhicule. Mais c'est un camion ? Ah oui, c'est un camion. Faut être à moins de 30 mètres. Hello, please stop. Hey, this guy just carries on. In that case, we'll have to stop him personally for a little chat. Cobra 11 to HQ. A truck just ignoring the signal. We're engaged in pursuit. HQ to Cobra 11. Hurry, a traffic jam is reported right in front of you. Petit semi-remorque. Wow! Yes, hello Suzanne. This is Sammy. We're still at the site of the accident. The truck driver's dead. Can you find out anything about it? Same here. Our colleagues are saying they pulled him from the road a few times, and each time they had to file charges against him. So he's not a blank sheet. Mais il est pas mort, le mec? There may be another reason why he didn't stop. And we might find that at the truckage company you work for. Donc là, il y a une embrouille sur le sur l'aire de repos. Je crois que c'est ça. Ah,
Tiens, logiquement, faut prendre l'autoroute, hein. Wow, oh, la caravane. J'ai niqué. Putain, avec ces conneries. Là, ok, mais je suis désolé, mais je vois pas ce qui se passe. Pourquoi ça l'a remise, je sais pas. Non, mais par contre, je voudrais bien qu'il se barre, celui-là. Où est-ce qu'il est, le point? Où est-ce qu'il est? Je le vois pas! Mais je le vois pas! Oh, mais merde, en plus, je me suis encore retrompée. C'est pas possible! Mais bon sang, me pousse pas, espèce de fils de pute! Cassez-vous! Putain, c'est pas possible de se tromper comme ça! En plus, j'étais bien avant. C'était nul. Bon sang, ça me saoule ça! D'accord, je me demande vraiment pourquoi j'ai plus cet endroit. Mais bon. C'est pas grave, hein. C'est là où il faut prendre là. Normalement, ici. J'ai sauté au-dessus. Oh là là, j'ai eu peur. Ensuite, le prochain, il est où? Oh! Je vais me faire embrocher la gueule. C'est très bien. Il est là-dedans, avec un camion. Je vois. Il est là. Quelque part là-dedans. Ici. Voilà. Je suis arrivé. Oh. Hey Chris, I just spoke with one of the drivers. The truck driver who died in the crash was the boss himself. He was totally correct always. None of the employees can explain the accident. Hartmut reported too. He said the truck was in perfect condition. The trip recorder was okay. Camion. Qu'est-ce qu'il fait? Mais regarde, il drift quoi. Then we better take a truck too and record the tire. C'est n'importe quoi! Oh, le camion il drift! Bon, Max l'est fait. Il faut beaucoup d'habileté pour conduire un camion dans un village. Certains points ne sont pas sur les routes principales. Non! Merde, on conduit!
bordel. Moi, je vous propose qu'on se mette dans cette vue pour conduire ce camion. Regardez, je pousse tout le monde. Je crois que je viens de me tromper. Ok, très bien. Voilà, c'est pas dur. C'est pas très très dur. Hein. Enfin, avec le temps et un camion, je pense que c'est vraiment dur. Oh non. Ah fuck. Là-bas. Oh putain, j'ai sauté le carburant. Faut faire demi-tour. En fait, non, je crois que je vais prendre le rond-point, ça ira plus vite. Que de me faire chier à refaire demi-tour. Ok, allez. On y va. Concessionnaire Seat. Putain, je voulais m'arrêter dedans, je suis débile. Les caddies, merde, les caddies, non, les caddies. Est-ce que, ouais, en fait, je pourrais pas faire le test. Go, roulez à fond et puis voilà, c'est tout. Excusez-moi si je ramasse un peu tous les poteaux. Donc ça vous déplaît un petit peu. Oh putain! Là j'ai fait une couchée. Qu'est-ce qu'on a là? On a rien. Bon, je me casse. Voilà. Go.
l'explosion du moteur. Hein? What? C'est quoi ça, explosion du moteur? Ok. Chose que la dernière fois. Mais cette fois, je vais pas me faire chier, je vais faire un bon grand demi-tour. Oh putain, il y a deux roues. Allez, on y va. Je retourne par là-bas. Alors le petit panneau, j'aimerais bien qu'il se barre. Voilà, c'est bon. Je pense que tous ces camions, ça ressemble beaucoup à des DAF. Oh, encore deux roues. Oh, oh, excusez-moi, je vous avais pas vu, monsieur. Monsieur ou madame. Hop. Ouah. Ouf. Très bien, je me suis encore loupée. Je vais faire un long demi-tour encore une fois. C'est reparti. Concessionnaire Seat. Les fameux caddies. Pff, hop là. Bon ben je vais finir la mission sans vous, hein, je pense, parce que ça va être chiant sinon. J'en suis qu'à 6 et vous les connaissez tous. Et après je vois pas non plus d'où elle vient cette explosion du moteur, mais bon, je sais pas moi. C'est dans le jeu. Allez, je casse tout encore une fois.